canicule et tous nos légumes avaient séché. N'était-ce pas cet été-là que les deux perdrix nous avaient rendu visite? Shaba et Shivara, je crois. Non, c'est Shiva et Ivasha. Oh là là, je m'en souviens de ces deux-là. On avait bien rigolé avec elles. Dites donc, Lapinos, vous avez la mémoire bien courte. Ces deux perdrix étaient certes très gentilles, mais très imprudentes aussi. Quand j'y pense, j'en ai encore des frissons dans le dos. Nom d'une graine de soja. Je crois qu'on s'est trompé, Ivasha. Ce n'est pas ici qu'on devait atterrir. Le message inscrit sur la carapace est très clair. C'est ici exactement, à midi et 2 minutes, que le futur maître de notre royaume va apparaître. J'ai hâte de voir la tête de Maître Chaud quand nous lui ramènerons cet élu. À mon avis, il va nous nommer sages parmi les sages. Ivasha, enfin, nous ne devons rien attendre de ce voyage, sinon la satisfaction de rendre notre peuple heureux. Tu as raison, Shiva. Mais bon, si on peut sauter de classe d'un coup... Ça y est. L'heure de la grande révélation est enfin venue. Plus que 2 gongs. C'est lui, c'est l'élu. Comment il est? Je veux le voir. Oh, mais... Il y en a 5. Bravo, Romarin. Ton hydroplaneur fonctionne à merveille. Tu t'es très bien débrouillé. Et moi, pas mal barbouillé. Oh là là, j'ai l'impression d'être tout à l'envers. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Fini les feux de forêt. À quand la première leçon de pilotage? C'est avec Romarin qu'il faut voir ça. C'est lui, le pro de l'aviation. Maître Chaud nous a dit que les plus petits avaient le cœur pur. Ça doit être lui. Mais il a aussi dit que les plus âgés avaient la connaissance absolue. Alors nous n'avons plus qu'une solution, Shiva. Rencontrer ces 5 petits lapins. L'élu sortira forcément du lot et se révélera à nos yeux. Tout le monde est là? Allez, rien de tel qu'un petit verre pour fêter ce grand moment. À l'hydroplaneur de Romarin. Pour Romarin, hip hip hip, hurrah! Oh, merci, c'est trop arrêté. J'ai mis au point une invention géniale et unique, c'est tout. La prochaine fois, évite quand même les acrobaties. Ton petit frère en est tout chamboulé. Oh non, c'est pas ça. Moi, je suis triste parce que j'ai perdu le tout mini hydroplaneur que tu m'as fait. Je l'avais pour le vol et après, pouf, il a disparu. Ça perd, Popette. Nous allons le retrouver, il ne peut pas être très loin. Belle journée à vous, petit scarabée des prairies. Je me présente, Shiva. Et voici ma compagne de route, Ivasha. Nous venons du pays du soleil jaune et nous sommes plongés dans un grand trouble. Car nous recherchons quelqu'un et... Le pays du soleil jaune? Ça prelote mille carottes, ça fait une sacrée trotte. Venez vous reposer quelques instants, vous devez être éreinté. Avec joie. Bizarre, vos habits. Au pays du soleil jaune, il fait toujours soleil? Vous venez pour le carnaval? Donc, comme je vous disais, en venant aux Erelles, notre but est de retrouver quelqu'un de très particulier. Et ce quelqu'un... Pourquoi vous faites tout le temps comme ça? Vous avez un torticolis? Un torticolis, dents de lion. Et puis, ce n'est pas poli de couper la parole. Excusez-les, ce sont des enfants. Écoutez, je connais tout le monde dans ce village. Alors, si je peux vous aider à retrouver celui que vous cherchez... Oh non, vous n'avez rien compris. Enfin, pas bien compris. En fait, c'est à nous de trouver... Disons, de désigner... Quoique c'est lui qui se désignera tout seul. Ne vous justifiez pas. Sachez que vous êtes les bienvenus ici. Notre maison est la vôtre.
Ouvrir sa maison à des inconnus est comme ouvrir son cœur. Merci mille fois, monsieur Onésime. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu vas réveiller Shiva et Ivasha. Je cherche mon avion miniature. En plus, elles sont déjà réveillées, les perdrix. Elles font de la gymnastique dans le jardin. Ne trouves-tu pas, Ivasha, que ma souplesse témoigne d'un grand lâcher-prise? C'est vrai, mais ta jambe n'a pas encore l'élégance du serpent s'enroulant sur la branche. Shiva, Ivasha, vous venez? Le petit déjeuner est servi. C'est très gentil à vous, petit scarabée des prairies. Mais nous avons encore dans nos besaces quelques pousses de soja. Cela suffira amplement à nous rassasier. Tant pis pour vous. Vous allez rater les bons gâteaux au chocolat de Signa. Après tout, pour reconnaître l'élu, c'est important de savoir ce qu'il avale. Tu as raison, Ivasha. J'ai inventé aussi la carotine de luxe, un sous-marin. Moi, je suis comme vous. J'adore voyager. J'ai préparé cette tarte ce matin. Pirouette m'a un peu aidée. J'ai tout fait, tu veux dire. J'ai coupé les pommes, j'ai malaxé la pâte. Et tu crois que je t'ai pas vu faire? T'en as déjà pris deux fois. Dis-moi, petit scarabée à lunettes, la jalousie te rongerait-elle au point de ne plus être toi-même? La jalousie? Moi, je dis, je peux pas être jaloux, puisque je suis le meilleur en tout. Oui, ça brûle. Mistouflet, je vois que tu sais te contenir et accepter ta douleur. Mais dis-moi, lorsque quelqu'un te fait mal, dis-tu « aïe » ou « je te pardonne » ? Quand Grimmil m'a donné un coup de pied l'année dernière, c'est lui qui a crié « aïe » et « ouille » même. Je me suis pas laissé faire parce que « bang », je l'ai mis par terre et « pouf ». En deux temps, trois mouvements, il était KO. Saper, l'hypopète. Je vous ai répété 100 fois que la violence ne menait à rien. Allez, venez m'aider. Les tomates n'ont pas supporté la chaleur, elles ont besoin d'eau. Vous allez être très occupés aujourd'hui. Alors, comment vont vos recherches? Eh bien, pour tout vous dire, elles vont être un peu plus compliquées que prévu. Mistouflet, je t'ai demandé de venir m'aider à ranger. Et fais doucement, ton petit frère dort. Oh, ça va, je m'y mets. Shiva, la chaleur affecte ton jugement. Romarin est beaucoup trop rongé par la fierté. Et Mistouflet, je l'ai trouvé très prévenant aujourd'hui. Peut-être, mais il a un léger penchant pour la bagarre. Pirouette, en revanche... Pirouette, pas zen du tout. Elle braille comme un lama quand ses frères la battent à la pain-perché. Et dents de lion boude depuis qu'il a égaré son avion miniature. Quant à Agaric, il se vexe pour un rien dès qu'on le contredit. Pas besoin d'interroger les astres pour savoir qu'on est au point mort. Ivasha, enfin, as-tu oublié que la patience était maîtresse de toutes les vertus? C'est parce qu'il est semé d'embûches que le chemin de la connaissance est si passionnant à parcourir. Tu as raison. Nous devons reprendre nos recherches à zéro. Trouver l'élément essentiel qui départagera ses enfants. Ce moment est proche. Plus que quelques jours, et nous amènerons au pays l'un de ces petits scarabées afin qu'il prenne ses fonctions de prince. L'élu? C'est donc ça qu'elle recherche? C'est pas croyable! C'est fabuleux! Oh, elles veulent quelqu'un de zen! Eh bien, elles vont le trouver! Pirouette, princesse du pays du soleil jaune! Oh oui! Ils vont voir qui je suis vraiment! Oh là là! Demain, je ne dois surtout pas bouder! Je vais être parfait! Attention, ils dorment encore! Chut! Oh.
Quelle est donc cette drôle d'activité à laquelle tu t'adonnes? Je me débarrasse de toutes mes récompenses. Elles me font parfois oublier que le but de mes inventions est de donner du bonheur à autrui, tout simplement. C'est une décision très louable, grand scarabée. Prenez tout, servez-vous, c'est gratuit. Waouh, c'est super. Merci, Agaré. Allez-y, n'hésitez pas. Prenez ce que vous voulez. Tiens, c'est pour toi. Merci. Merci. Oh, c'est très, je l'adore. Voilà. C'est le grand rangement de printemps aujourd'hui? Oh non, je donne tous mes jouets aux enfants des Erelles qui sont malheureux de jouer sans jouets. Tiens. Nom d'une pousse de soja. Ces enfants se sont comme métamorphosés en une nuit, excepté Dent de Lion qui ne pense qu'à son avion miniature. Oh oui, il se révèle enfin, mais je pense quand même que Pirouette est la plus digne. Oh non, Mistouflet est doué de grande qualité. Agaric aussi d'ailleurs. En plus, il a du talent. Oh, pardonne-moi, je m'emporte. Je m'en remets à toi, Ivacha. Ton avis sera le mien. Peut-être devrions-nous interroger la carapace de tortue cette nuit. Ça y est, je vois un message. Regarde, là où le cygne apparaît, l'élu est déjà plus près qu'on ne peut l'imaginer. Où le cygne apparaît. Plutôt flou comme message. Mais non, c'est très clair, au contraire. Enfin, Shiva, le cygne, c'est l'eau de l'hydroplaneur, bien sûr. Tu veux dire que nous devons retourner dans la forêt, là où nous avons aperçu les enfants pour la première fois? Mais bien sûr, tu as raison. La pièce manquante de notre casse-tête se trouve encore là-bas. Hein? Dans la forêt? À cette heure-ci? C'est quand même pas une carapace de tortue qui va dire qui est la plus parfaite? Oh non, ça va pas se passer comme ça. Des signes, toujours des signes. Mais c'est moi, leur élu. J'ai donné tout ce que j'avais. Qu'est-ce qu'il leur faut encore? Cherchons. Oh, regarde, ça m'a tout l'air d'un petit avion de bois. Et oui, c'est l'hydroplaneur de Dent de Lion. C'est donc lui l'élu, Ivacha. Nous l'avons enfin trouvé. Oh. Oh, Shiva, je suis si heureuse. Ça alors, le petit Dent de Lion. Dire que nous ne lui avons accordé aucun intérêt. Quel signe pourtant il nous lançait en parlant sans arrêt de son avion. Il ne nous reste plus qu'à lui proposer cet unique rôle de prince. Shiva, Ivacha, vous êtes là? Oh, Mistouflet, oh, mais qu'est-ce que tu fiches ici? Toi, tu veux mes lunettes? Dis donc, tu devrais être au lit à l'heure qu'il est. Moi, Adam me fait la morale maintenant. Oh, qu'est-ce que vous fabriquez dans cette forêt? Cric, crac, boum, quand Zinia va savoir ça, elle va vous chauffer les oreilles. Moi, j'ai une bonne raison d'être ici, figurez-vous. Shiva et Ivacha me recherchent. Oh, pas du tout. Elles doivent ramener l'élu dans leur pays. Et cet élu, c'est moi. Oh, alors celle-là, c'est la meilleure. L'élu, c'est une fille, bien sûr. Et qui c'est la fille ici, sinon moi? Franchement, vous savez bien que le plus gentil, c'est moi. À table, c'est toujours moi qui partage ma soupe. Ouais, mais ton dessert, on peut lui dire au revoir. Et toi, Pirouette, ne rêve pas. Les perdrix veulent un prince, pas une princesse à trois sous. C'est pas gentil de dire ça. Regardez. Ça alors, c'est celui de Dent de Lion. Vous croyez que les perdrix ont pris ça pour un signe? Vous êtes sûr que c'est le sien? Je veux le voir. Attention. Petit prince, c'est donc toi. Son petit minois reflète l'apaisement. Dent de Lion, tu dois te réveiller. Nous avons une chose de la plus haute importance à te dire. Vous avez retrouvé mon avion de moi? Non, enfin, oui, mais
Il y a plus important encore. Est-ce que tu veux bien, petit élu, t'envoler avec nous vers le royaume de la félicité? Féliciter qui? S'envoler comment? T'envoler sur notre dos, jusqu'à notre pays où tout le monde t'attend et fêtera dignement ton arrivée. Oh oui! Fanta et moi, on adore les fêtes! Surtout quand il y a de gros gâteaux à la crème et au chocolat! Alors c'est parti! En route pour le pays du soleil jaune! Secteur B, nord-nord-est, vent à 45. Il nous faut l'hydroplaneur. Direction la maison, les passifleurs, dépêchez-vous, il faut éviter la catastrophe. Oh, au secours! T'inquiète pas, je suis là. Romarin va arriver. Il va vous montrer comment le conduire. Nos enfants ne sont pas là. Oh non. Même Shiva et Ivasha sont partis. Oh, Nizi, mais où sont-ils? Pas du côté de la forêt, j'espère. Les vannes sont pleines. Il ne nous manque qu'un pilote. Oh. Mmh. Mmh. Tout va bien maintenant. Tu n'as plus rien à craindre. Agari! Tout va bien ici, Onésime. Les enfants sont sains et saufs. Enfin, disons, ils ne sont pas tous là. Il en manque un. C'est dans de Lyon. Il est parti avec les perdrix. Vers le pays du soleil jaune. Tu sais l'avion miniature de Dents de Lion? C'est la carapace qui leur a dit d'aller dans la forêt. Enfin, tu comprends? Non, pas du tout. Ces perdrix vont devoir s'expliquer. Et plus vite qu'elles ne l'imaginent. Oh, regardez. Shiva, Ivasha, atterrissez sur le champ. C'est un ordre. Oui, bien sûr. Lion, calme-toi. Ne bouge plus. Dents de Lion, arrête. Accrochez-vous, Lapinos. Ivasha, Ivasha, s'il te plaît, réponds-moi. J'ai besoin de toi. Réveille-toi. Tu sais, ce n'est pas un hasard si nous avons découvert cette carapace ensemble. Point de hasard quand il s'agit d'amour, Ivasha. Tu m'aimes donc? D'un amour plus pur que la rosée des matins d'été? Plus pur
et plus beau que la lumière du soleil. Oh, Shiva, je suis si heureuse. Oh, ils s'aiment. Un bisou. Moi, je dis, votre carapace n'a pas trop apprécié le vol. Tu as bien raison, petit scarabée. Les morceaux forment un idéogramme, un nouveau message. Pourquoi chercher l'élu dans des contrées éloignées? Il est souvent bien plus proche qu'on ne pourrait l'imaginer. Il est parfois même tout près de son cœur. Oh, que c'est beau! Chaperlipopette, je rêve. Vous avez de la chance que cette histoire se termine bien. Car dans votre quête, vous avez oublié quelque chose d'extrêmement important. De primordial même. Voici des gâteaux au bleuet. Vos préférés, je crois. Rien de mieux qu'un ventre bien plein pour rester serein. La nuit porte conseil. Et effectivement, vous aviez raison. Dans notre quête, nous avons oublié que les enfants étaient pleins de naïveté, qu'ils étaient influençables. Nous n'avions pas le droit de partir avec Dandelion. Comme quoi, la sagesse se cultive au fil des jours et des années. Peut-être qu'en venant ici, vous aurez compris cela. Ça valait le coup de vous déplacer, finalement. Bon voyage! Vous allez nous manquer! Ouais, envoyez-nous des photos de votre pays! Oh oui, et des pousses de soja aussi, ça doit être super bon! Merci pour tout. Nous ne vous oublierons jamais. Au revoir! Au revoir!